Coucou. Coucou Cad. Bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir. Hop. Bonsoir Cad. Donc là, c'est ce soir, je vous retrouve pour une méditation. Coucou, coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir. Coucou Christina. Nathalie. Coucou Nathalie. J'attends quelques minutes, enfin une petite minute pour que tout le monde se connecte. Donc j'espère qu'on va pas être dérangé avec le chien. Non, la danse c'est mardi prochain. Coucou Rita. Oui, tout va bien. Je sais pas quoi te dire. C'est bizarre en ce moment, tous les réseaux sociaux, c'est assez bizarre. Bonsoir Virginie. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ce qui va se passer pendant la méditation. Je ne sais absolument pas. Moi, je mets les titres après. Il n'y a que le lundi, il n'y a que ce lundi où j'ai mis un titre avant. Ouais. Il faut rester serein, faire confiance au plan, tout arrive au bon moment et rien n'arrive par hasard. Alors, ouais, des fois on est même coupé quand on parle avec quelqu'un au téléphone, on est coupé aussi. Ah là là. Bon, bah écoute. Bonsoir, bonsoir Ingrid. Donc de toute façon, les vidéos se revoient en replay, donc il n'y a pas de souci, l'espace-temps n'existe pas, hein, donc ça fonctionne tout pareil. Bon, les énergies sont très fortes. Hein. Là où je suis aussi, hein. Là, en Corrèze, là. C'est assez puissant, donc ça fait du bien. C'est un bel endroit. C'est vrai que la Dordogne, la Corrèze, l'Aude, tout ça, c'est des endroits magnifiques. C'est super beau. Valérie. Eh ben, je pense que je vais arrêter de regarder maintenant vos commentaires.
Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver pour cette méditation. Et donc, vous allez vous installer bien confortablement, assis, les pieds au sol ou en tailleur, comme vous avez envie. Et bon, ben, on verra si... On verra si le chien, le dog, se met à aboyer. Je suis désolée. Hein. On verra bien. Voilà, on en fait confiance. Et c'est parti pour une belle aventure, j'espère, encore une fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien, votre fidélité. Je pense qu'il y a, c'est une heure, il est 6 heures, donc il y a beaucoup de personnes qui rentrent, hein, parce que c'est le couvre-feu. Il y a le couvre-feu, donc tout le monde rentre chez eux. Donc il y a beaucoup de mouvements autour du chalet. Donc du coup, ça fait réagir le chien. Mais là, je ne peux pas le sortir, parce que si je sors, je vais être une heure en méditation. Des fois, ça dépasse, mais bon. Et là, je ne vais pas pouvoir le rentrer s'il veut rentrer. Et je préfère être entre guillemets, les yeux ouverts quand il veut rentrer dans la maison. Donc, et ben, tant pis, on va faire avec. Voilà. Voilà, ben, moi je suis assise en tailleur, comme d'habitude. C'est ma position de préférence. J'aime bien être... Sinon, ben moi j'aime bien être par terre aussi, mais bon, voilà, je suis souvent par terre aussi quand j'encadre des stages. Oui, j'encadre aussi des stages, donc je suis souvent par terre. Je préfère être assise par terre que sur une chaise, voilà. Comme les Africains, comme les Indiens. Donc, on va essayer de se couper du monde extérieur et de retourner à l'intérieur de soi pour le temps de cette méditation. Voilà. Donc, vous mettez les paumes de vos deux mains ouvertes, c'est-à-dire les paumes des mains reliées vers le ciel. Vous fermez les yeux. Et vous vous concentrez sur votre respiration. Prenez conscience de chaque inspire, de chaque expire. Et vous imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, que vous vous rapprochez de votre terre-mère, que vous respirez en osmose avec la terre Gaïa, que vous fusionnez avec sa propre respiration, et vous mettez l'intention de respirer avec elle. Vous respirez avec la terre. Chaque inspire, chaque expire devient la respiration de la terre. Vous rapprochez encore un peu plus d'elle
en toute intimité, en toute humilité, pour ne faire qu'une seule respiration avec la terre. La terre et vous respirez ensemble. La terre et vous respirez en une seule respiration. Vous devenez la terre qui respire. Et vous sentez les battements de son cœur à l'intérieur de vous-même, bas, un rythme régulier. Et vous suivez le rythme respiratoire de la terre. Vous suivez son rythme maintenant. En suivant le rythme de la respiration de la terre, vous faites corps avec elle. Vous êtes complètement en osmose avec elle. Son corps devient votre corps. Et vous ressentez toutes ces émotions. Vous sentez le corps émotionnel de la terre vous parler. La terre est vivante. La terre est une entité qui cherche à aussi réveiller ses enfants par ses perturbations, les perturbations climatiques. La terre qui accueille ses enfants, qui les porte, qui a peur pour ses enfants, qui souffre pour ses enfants. Et comme une mère, elle ne comprend pas toujours ses enfants. Elle souffre de leur ignorance, de leur indifférence. De ce manque d'écoute et de respect qu'elle a, qu'ils ont pour elle. Sentez votre ventre maintenant qui réagit émotionnellement à son appel. Votre ventre qui ressent
combien cette mer, terre, souffre. Les anges de la terre que nous sommes déploient leurs ailes pour consoler la terre, pour l'enlacer, pour la serrer très fort contre notre cœur, pour la consoler. Car les enfants de la terre ont compris la plupart que quand notre mère souffre, nous souffrons, et que nos corps physiques, que nos émotions sont beaucoup plus reliés avec la terre mère, beaucoup plus que nous le pensons. Nous avons envie ici, nous les enfants de la terre, en tant qu'anges terrestres, de redonner le sourire à la terre mère. Nous avons envie de revoir la joie sur terre. Les anges terrestres que nous sommes, nous désirons que cette mère terre, Gaïa, retrouve la paix intérieure. Et en déployant nos ailes sur terre, nous la survolons pour lui donner tout notre amour, notre propre lumière de guérison. En reconnaissant sur terre toutes les femmes de la terre comme des mamans, des sœurs de lumière, nous pouvons guérir cette énergie féminine. Nous pouvons consolider et manifester à l'extérieur de nous-mêmes cette énergie fabuleuse de douceur, de pardon, les enfants de la terre qui déploient ses ailes en tant qu'ange terrestre s'aiment, S
apostrophe A-I-M-E-N-T. L'énergie de compassion, de douceur et d'amour. Une énergie de compréhension. Pour tous les êtres, de voir au-delà du cœur, au-delà de toutes les apparences, de voir l'autre et les autres derrière les masques, de prendre conscience qu'en tant que mère, une mère aime ses enfants inconditionnellement. Notre Terre Mère est une mère qui aime tous ses enfants inconditionnellement. Elle a cette capacité de voir au-delà. Elle a le cœur pur. Et même si elles souffrent de leur indifférence, la Terre-Mère continue d'aimer ses enfants. Mais il est temps aujourd'hui de ne plus accepter ce manque de respect pour la Terre-Mère. Le temps est venu d'aimer la Terre Mère, cette terre où nous sommes venus s'incarner en tant que matière. Ce corps de lumière qui a choisi un corps humain a choisi de s'incarner, de poser les pieds sur terre pour diverses raisons. C'est notre choix, c'est notre décision. Nous avons décidé de venir ici sur Terre en ces temps. Alors au-delà de tout ce qui se passe, de toutes les apparences, de tous les voiles, de toutes les croyances, de toutes les peurs, au-delà de toutes les cultures, au-delà de toutes les sociétés, de toutes les éducations. Il est temps d'apprendre à aimer notre terre-mère, Gaïa. Et si nous aimons la terre Gaïa, nous devons aussi aimer nos frères et sœurs. C'est pour ça que l'énergie de compassion doit être lumineuse, douce. Et nous avons besoin de l'énergie masculine pour manifester cette énergie en action sur Terre, afin qu'elle se manifeste
En tant qu'enfant divin que nous sommes, nous allons respirer maintenant avec le ciel. On se rapproche du ciel maintenant. Je respire en même temps que lui. Plus j'inspire, plus je me rapproche des étoiles, de la lune, du soleil. Plus j'expire, plus je prends conscience de cette expansion de mon être multidimensionnel. Mon intention est de respirer, de fusionner avec le ciel. Je prends conscience de chaque inspiration, de chaque expiration, et je respire au rythme du ciel. Je respire au rythme des étoiles. Je respire au rythme du soleil. Je respire au rythme de toutes les planètes. Je respire au rythme des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges. Et plus je respire, et plus je me rapproche de tous ces êtres galactiques, de ces êtres de lumière. Et je respire avec eux. Et je prends conscience que je retrouve ma véritable famille. Je retrouve mon identité divine, celle que j'ai laissée pour venir sur Terre, pour m'incarner sur Terre. Et ce soir, je respire intimement avec tous ces êtres, les êtres des étoiles. Je fusionne pour ne faire qu'un avec eux, pour devenir un être des étoiles, pour devenir un être solaire. Pour me rappeler de qui je suis. Des êtres de cristal. Et je respire avec la source, le cosmos et tous les univers. Et je prends conscience de cette multifacette de moi-même, dans toutes les dimensions, dans toutes les vibrations. Et je ressens l'amour de tout l'univers, je ressens l'amour du tout. De la source. Et dans cette intimité, dans cette unité, je demande la force et le courage
de continuer mon chemin sur terre. Je demande la force et le courage d'avancer un pas devant l'autre sur terre. Je demande à ma famille de lumière de m'accompagner chaque jour, de protéger tout ce que j'aime. Je demande ici et maintenant à ma famille de lumière, aux êtres des étoiles, aux êtres stellaires, aux êtres solaires, d'où je viens, de semer l'amour sur terre pour mes frères et sœurs de la planète Terre. Je demande de l'aide pour manifester la lumière, de transmuter toutes les ombres de la Terre et de nous et de nous-mêmes, de manifester cette lumière d'amour et de l'expanser à l'extérieur de moi, pour le bien commun de toute l'humanité, pour le bien commun de toute l'humanité, pour le bien commun de toute l'humanité. Et vous êtes dans la capacité, ici et maintenant, de sentir l'amour de vos frères stellaires. Vous sentez l'amour de vos frères solaires, de vos frères galactiques. Et oui, vous ressentez un amour si fort que vous êtes complètement ébranlé. Une nostalgie de tout ce que vous avez quitté. Mais on vous dit que vous allez bientôt retrouver cet amour ici sur Terre. Que nous allons bientôt être tous réunis. Il nous demande de mettre notre attention derrière notre nuque. Cette partie physique de notre corps qui est souvent en tension, qui est souvent bloquée, nouée. Voyez chaque vertèbre de votre nuque comme un disque, un immense disque qui, superposé, comme un faisceau lumineux, un tube de lumière,
une colonne de lumière. Des anneaux, voilà, c'est ça. Des anneaux les uns sur les autres. Des anneaux verticaux. Et ces anneaux verticaux représentent un vaisseau de lumière. J'ai bien dit un vaisseau de lumière qui déploie sa lumière, qui s'ouvre, dans une autre réalité, dans un autre espace-temps. Et vous descendez. Votre corps multidimensionnel descend de ce vaisseau de lumière. Pendant, nous disent-ils, pendant que votre vaisseau de lumière se répare. On est en train de réparer notre vaisseau de lumière. Pendant ce temps, un merveilleux guide nous accueille et nous emmène dans un endroit féerique. C'est un espace comme un lac, un immense lac, mais il n'y a pas de plage ni de terre. C'est comme si vous étiez dans un univers d'eau. Et cette eau, quand vous la regardez de plus près, est du cristal. Nous sommes revenus sur Shambhala. Nous sommes à nouveau sur Shambhala. Et pendant que votre vaisseau de lumière est en train de se faire réparer, vous sentez aussi le chakra de la gorge qui travaille, mais ce travail est libérateur, vous êtes léger, tout léger, et vous avez l'impression que votre corps est très grand, vous êtes immense, grand, tellement grand. Comme s'il y avait des espaces entre d'autres espaces à l'intérieur de votre corps. Vous êtes un corps de lumière dans un corps de lumière, dans plusieurs corps de lumière.
Ces corps de lumière sont comme les poupées gigognes, vous savez, qui sont les unes avec les autres superposées. Et vous vous sentez merveilleusement bien, merveilleusement bien. Vous avez l'impression que votre tête est tellement libre, comme si votre tête était posée pour être à nouveau restructurée, assemblée, vissée sur ce corps de lumière. C'est une véritable reconstitution. On reconstruit éthériquement cette partie entre votre tête et vos épaules. Pas facile à mettre des mots. M-O-T-S. Dans l'espace où vous êtes, les mots n'existent pas comme nous sur Terre, et la compréhension est complètement différente. Tout semble ici futile. De tout ce que nous vivons sur Terre, tout semble futile. Car ce que nous vivons ici en ce moment est essentiel. Notre corps est en mutation, en véritable reconstruction. Des chirurgiens éthériques s'occupent de réparer cette zone de notre corps si souvent sollicité, si souvent mal écouté. Ces chirurgiens éthériques encodent le fait que nous nous sentions soutenus par l'univers. Les chirurgiens éthériques font en sorte que nous ressentions ici et maintenant tous ensemble la sensation d'être soutenu affectivement. Dans ces temps incertains sur Terre, il souhaite que nous nous sentions soutenus affectivement. Ils nous demandent tout simplement de nous laisser aller, de leur faire confiance, de lâcher prise
d'accueillir et d'accepter cette nouvelle réalité, ce nouvel encodage pour notre plus grand bien. Car vous êtes, disent-ils, les anges terrestres dont nous avons besoin. Nous avons besoin de vous pour encoder sur Terre cette énergie de soutien émotionnel. Et maintenant que vous vous êtes reposé sur Shambhala, que vos corps se sont allégés, vous allez pouvoir revenir sur Terre, encoder l'énergie de soutien émotionnel sur Terre, afin que vous soyez vous-même, ensemble et personnellement, que vous puissiez manifester et rayonner cette énergie. Que votre gorge, que votre nuque déploie cette lumière sur Terre comme un phare qui éclaire le monde. Et vous remontez dans ce vaisseau de lumière et sentez effectivement que la partie de votre nuque et de votre gorge a été réparée. Sentez effectivement que en ce moment présent, vous vous sentez réellement soutenu affectivement. Et que vous avez hâte de la manifester sur Terre, tout autour de vous, devant vous et derrière vous. Votre nuque est un vortex d'énergie, une nouvelle porte multidimensionnelle, l'élément air. L'élément air et vous reprenez possession à 100% de votre corps physique maintenant, dans cette nouvelle encodage, en tant qu'être multidimensionnel sur Terre, en tant que porte multidimensionnaire.
nous faisons le choix ce soir de manifester sur terre cette énergie de soutien émotionnel pour les autres et pour soi-même. Devenons, si vous le voulez bien, tous ensemble, devenons une porte ascensionnelle. Visualisez cette porte, porteuse de cet encodage. Purifiez tout l'air qui vous entoure. Mais aussi, distribuez dans cette terre terrestre cette nouvelle lumière de soutien émotionnel que chacun et chacune sur Terre pourra respirer, que la Terre et que le ciel et que les humains puissent respirer ce soutien émotionnel. La Terre respire. Les animaux, tous les règnes, les humains. Ce nouvel âge sur Terre que chaque particule d'énergie, de prana que vous respirez ici et maintenant sur Terre, maintenant, soit chargé de ce nouvel encodage. Et sentez combien l'élément air de la Terre change. Ce nouvel encodage permet aux humains, aux animaux, aux plantes, aux arbres, de mieux respirer. La respiration change, l'air change, l'air est léger. Et visualisez tous vos frères et sœurs de la planète respirer cette terre nouveau, cette terre nouveau, qui les fait grandir, qui les fait évoluer et qui fait en sorte qu'ils se sentent réellement soutenus affectivement. Nous remercions ici et maintenant nos frères des étoiles,
nos frères stellaires, nos frères galactiques, nos frères solaires, nos frères de lumière, notre famille de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les intraterrestres. Nous remercions tous les univers de nous avoir permis ce soir d'alléger cette terre sur terre. D'alléger ce prana, cette respiration. Et nous revenons ici et maintenant sur notre terre, mère, que nous aimons encore un peu plus. Car la terre ce soir respire un peu mieux. Car la terre ce soir ressent comme nous un soutien affectif qui va s'expanser de jour en jour. Et cet air que nous respirons maintenant est si léger que notre cerveau aussi, devient mieux oxygéné, vos poumons mieux oxygénés. Et cette grandeur, cette légèreté intérieure nous donne la joie. La joie que chacun réclame. La joie. 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 Et tout doucement, chacun à son rythme, dans la joie, dans la légèreté, dans le soutien affectif dans lequel vous êtes, vous revenez ici et maintenant. Et vous reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure. Et vous ouvrez les yeux. Et vous vous étirez. Et vous bâillez. Oh là là. C'est excellent. Waouh. Que d'émotions. Que d'émotions. Voilà, j'étais beaucoup touchée. Beaucoup, beaucoup touché. Je vais sortir le chien et je reviens vers vous. Alors, Fad, Tara, François, coucou François. Alors voilà, François, tu sais tout de moi maintenant. Et tu veux revenir déjà le chien? Non, il est reparti. Catherine, ouais, ok, d'accord, il n'y a pas de souci Catherine, tu peux refaire en replay. Sylvain.
Musli, j'espère que je dis bien ton prénom. Shiva Kundalini, Marjorie, Sylvain. Coucou Sylvain. Je parlais de toi aujourd'hui justement. Ah bah c'est incroyable. C'est incroyable. J'espère que tu vas bien Sylvain et bonne année. Alors, comment vous vous sentez Réanne? Louis-Charles, oh pardon. Je me suis trompée. Je remets. Voilà. Louis-Charles. Valérie. Nathalie. Christophe. Coucou Christophe. Laurent. Coucou Laurent. Yeah. Il y a des anciens qui reviennent, des anciennes connaissances. C'est cool. Toujours dans la Kizomba. Yeah, yeah. Ah là là, ça me manque la Kizomba. Jérôme. Yes. Marianne, Isabelle. Waouh, vous êtes nombreux, c'est super. Ah là là, trop bien. Fad. Tara. Eh bien, j'espère que vous vous sentez bien comme moi, que vous vous sentez soutenu, dans la joie, dans la paix, que vous vous sentez tout léger et que ce beau voyage, on était loin encore, hein, que vous avez la respiration, que vous respirez bien. Oui, Nathalie. Un gros cœur, Nathalie. Un cœur immense, je vous aime. Oui, Laurent. Bonsoir, Laurent. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. D'accord, ok. Eh bien, écoute, tu referas en replay. Oui, t'es comme moi, on est aussi dans la matière, hein. On a des fois des choix. Moi, maintenant, je pars vite et je reviens vite, donc j'ai pu sortir le chien. Maintenant, j'arrive à aller de plus en plus vite pour partir et de plus en plus vite pour revenir. Donc, c'est bien. Et voyez, hein, je suis vraiment... Coucou Sylvain. Oui, je parlais de toi aujourd'hui, justement, au téléphone avec quelqu'un que tu connais. J'espère que tu vas bien, Sylvain. Donne-moi de tes nouvelles. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez visualisé? Est-ce que vous avez réussi à vous connecter avec tous les êtres galactiques, stellaires, solaires? On vient de toutes ces différentes dimensions. Donc il y avait beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse, mais nostalgie. Il y a une tristesse, mais nostalgie de mon côté. Donc j'avais plein de larmes dans les yeux parce que, évidemment, je sentais beaucoup leur amour. Et c'est comme si on avait envie de retrouver cette famille le plus vite possible et qui nous manque. Il nous manque terriblement. Bon, pas de commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Et je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. S'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire des lives sur YouTube. Bon, en ce moment aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que les vidéos que je fais sur Facebook, je les enregistre, comme vous savez, donc j'ai plein de vidéos d'enregistrées, et après je les mets sur Facebook, sur YouTube. Depuis quelque temps, je n'arrive plus du tout à les remettre sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, ça bloque, alors que je le faisais avant, et maintenant, depuis quelques semaines, ça ne marche plus.
Donc j'essaye, j'attends de voir de trouver la solution. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur Odyssée aussi, sur VK, Odyssée et VK. Je ne sais pas comment encore déposer mon lien. J'ai un compte, mais je ne sais pas trop. C'est tout nouveau pour moi, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc j'ai mis les mots de passe, j'ai tout, mais après pour partager sur Facebook, je ne sais pas si. Ou alors faut que j'invite des gens. Les personnes qui sont sur VK, les personnes qui sont sur Odyssée, demandez-moi un ami, peut-être que ça va marcher comme ça, je ne sais pas. Marie-Christine Gendron. Il est 19h12. Yes. Bon, eh ben, il n'y a pas de commentaires, donc je pense que tout le monde va bien. J'espère que toute cette énergie, vous l'avez ressentie. Et vous avez compris cette partie de notre corps, la gorge et surtout la nuque. Ça a été réparé. Notre corps était comme un vaisseau de lumière. Que nous avons été réparés et que nous sommes revenus sur Terre comme si nous étions une porte multidimensionnelle. Voilà. C'est beau. Continuez de respirer avec la terre, continuez de respirer avec le ciel. Bonsoir Philippe, la méditation est terminée. Philippe, si tu viens de te greffer dessus, mais tu peux la refaire en replay. Donc maintenant je vais pouvoir l'enregistrer et mettre un titre. Il faut que je réfléchisse sur le titre. L'énergie de soutien émotionnel, affectif. Je vais voir. Ok. Bon. Apparemment, il n'y a pas de commentaires. Donc, vous avez peut-être du mal à revenir. Bah, vous restez tranquille, hein, vous prenez le temps. Sinon, bah, vous m'écrivez en privé. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, une douce soirée. Faites de beaux rêves. Et je vous retrouve demain vendredi, à 18h, comme d'habitude, pour le cours de yoga. Voilà. Donc là, demain, vendredi, c'est ma dernière journée au chalet pour en Corrèze. Donc, samedi matin, je prends la route très tôt. Et n'oubliez pas, dimanche, vous avez un soin. Je vous donne un soin à distance gratuit sur la reconnexion source féminine. Ça doit être ça. Je ne sais plus lequel que j'ai fait. C'était féminin, masculin que j'ai fait, oui. Donc, ça doit être ça. Donc, à 16h. Donc, je vous retrouve demain, vendredi, à 18h pour le cours de yoga. Et dimanche, à 16h, pour le soin à distance, un don que je vous fais. Gratuit, bien sûr, hein, c'est une reconnexion source féminine. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain. Bisous, bisous. À bientôt, les amis. Bisous. Bisous, bisous. Coucou, Vincent. Vincent, la méditation est finie, mais je t'encourage et je t'invite à la faire en replay. Il n'y a aucun souci, ça marche tout pareil. Si tu as besoin de soutien émotionnel, de soutien affectif, je te propose de faire la méditation. D'accord ? Bisous Vincent.